Remix toute la zone Haïtienne. Remix 2018. Le 3 février 2018. Voilà. La vérité doit être dite et le métier africain, Georges Passy. Je dirai toujours la vérité. Pour faire la politique, il faut avoir l'art du mensonge. Pour faire la politique, il faut avoir l'art de mentir. Eh bien, les élections, l'art des conflits, toute l'Afrique où il y a eu des élections, la plupart. Je veux vous donner l'exemple. Au Congo-Brazzaville, il y a eu l'élection présidentielle. Celui qui croit que le Congo est à lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a triché. Et il a eu les grades de 8%. Alors, comment il s'appelle? Sassou Nguesso. L'homme préféré de la France-Afrique, l'homme préféré de l'Élysée, la cellule des grands barbares. Ils sont exactement comme Napoléon. Tous ceux qui passent à l'Élysée, la majorité, des tueurs, des mafieux, il n'y a que ça. Leur politique est basée dans le système des gaullistes qui leur a laissé cet héritage, général de Gaulle. Et tous, ils font la même continuité. Je vais vous donner l'exemple. Jacques Chirac, politique gaulliste. Nicolas Sarkozy, politique gaulliste. François Hollande, le corrompu, la pute de merde, le parrain des mariages pour tous. Deux hommes, deux femmes. Voilà pourquoi Ségolène l'avait quitté. Et après, son ancienne femme l'a quitté aussi. Voilà. Alors, après, Emmanuel Macron, la France en marche. Mais au fait, la France dans la destruction massive dans toute la zone de l'Afrique centrale. Laissez les dictateurs afin qu'ils puissent ziguer les populations. Ces dictateurs sont bien accueillis en tapis rouge. Vous avez Sassou Nguesso a été reçu ici pour le sommet soi-disant changement climatique. On lui a reçu en tapis rouge à l'Élysée. Mais, ils ont oublié que Sassou, 8%, avait fait péter dans Sassou 1, Sassou 2, le DC-10 UTA. Boum! En plein air, au Téméré, dans le désert. Ça, ils ont oublié. Les hommes politiques, soi-disant pays de droits de l'homme, la France. Mais je dirais non, pays de merde, pays dans le mensonge. Oui, car l'art, la démocratie, n'est que l'art de la manipulation. Oui. Alors, la politique barbare des barbariens, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent en Afrique exécuter les familles. Femmes, violence sexuelle, on la découpe, on fout des bâtonnets, des bois dans sa matrix, on prend des bouteilles cassables, on fout dans sa matrix. Alors, si on ne la découvre pas rapidement, elle meurt. La femme en Afrique devient l'arme de guerre. Pourquoi ?
à cause des vampires cannibales, les politiques, les hommes politiques, les grands menteurs. Alors, la majorité, la plupart font du bien, mais le reste, tous des menteurs. Pourquoi ? Pour faire la politique, il faut avoir l'art de mentir. Les élections, l'art des conflits, la démocratie, l'art de la manipulation. Alors, pour eux, il faut manipuler le peuple, c'est bien. Il faut que le peuple sente une douleur et qu'il pleure. Ça fait plaisir aux dictateurs. Mais moi, le tien, est-ce que j'ai besoin de faire la politique? Non. Par contre, si je fais la politique, moi, les menteurs seront placés de côté, les voleurs seront placés de côté, je travaillerai qu'avec ceux qui disent la vérité, comme moi, parce que le monde doit changer. Le pouvoir n'appartient pas à un individu, mais le pouvoir appartient au peuple. Alors, voilà pourquoi je suis un résistant, résistant de force, le tien. Voilà pourquoi je suis un résistant, résistant de force, oui. Un charisme donné par Dieu le Tout-Puissant. Personne ne me fait peur. Non. Il n'y a que Dieu le Tout-Puissant. Oui. Alors, les hommes politiques, tous des mafieux. Alors, ils aiment voir les gens en train de subir. Ils aiment voir les gens en train de souffrir et ça leur fait plaisir. Ils adorent cela, oui. Ils adorent cela, oui. Tous des menteurs. Alors, vous avez Ali Bongo reçu en grande pompe à l'Élysée. L'homme qui a volé l'élection du peuple gabonais. Alors, qu'est-ce qu'il fait Ali Bongo? Il emprisonne pas mal des hommes politiques. Il est fou en prison. Des hommes politiques de l'opposition. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse de donner l'aspirine et la nivacine au peuple gabonais. Il refuse qu'ils aient des lits dans des hôpitaux. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il fait encore? Pas d'eau dans des hôpitaux. Il faut que les parents amènent des bidons d'eau afin que les médecins, les infirmières lavent leurs mains. Alors, qu'est-ce qu'il fait Ali? Tout ce qui rentre comme argent au Gabon, il envoie des mallettes, des valises en direction de l'Élysée chez le patron des patrons. Voilà. Tous des politiques menteurs, oui. L'Élysée est une cellule de mafia. Il faut dire la vérité comment elle est. Alors, est-ce que moi, le tien, je vais m'aplatir? Non. Les hommes blancs politiques, la plupart, députés, il y a des députés véreux, l'Assemblée nationale, des députés véreux du Sénat. Voilà. Alors, ceux qui sont des véreux, des grands mafieux, ils adorent les mallettes de la France-Afrique, les valises de la France-Afrique, pour avoir une super belle vie. Mais pendant ce temps, le peuple en Afrique souffre. Alors, Théodore Obiang Nguema, dictateur. Sassou Nguesso, 8%, dictateur. Alors, Faure Gnassingbé, dictateur. Paul Biya, dictateur. Kabila, dictateur. Paul Kagame, dictateur. Ils sont pleins dans la zone de l'Afrique.
alors sans oublier Idriss Déby, dictateur, mais ils sont pleins en Afrique. Vous avez celui qui est en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le plus grand voleur tueur du peuple ivoirien. Alors, est-ce que c'est un Ivoirien? Non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Avec l'aide de son parent Nicolas Sarkozy, le barbare, le mafieux, qui a fait plusieurs tapages de coups d'État en Côte d'Ivoire. Ils ont pris Gbagbo Laurent par la force. Ils l'ont amené à La Haye. La Haye qui n'est que une prison est égale à l'apartheid, là où il y avait Nelson Mandela. Il faut dire la vérité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Blé Goudé à la CPI. Voilà, la vérité doit être dite. Je dirai toujours la vérité. Les dictateurs, tous des menteurs. La politique, l'art de mentir. Les élections, l'art des conflits. La démocratie, l'art de la manipulation. Alors, quand vous entendez le mot démocratie, c'est un mot pour bien manipuler chaque peuple. Mais on laisse les peuples dans la galère. Alors, en France, vous avez actuellement, pendant que Emmanuel Macron est là, plus de 4 millions de chômeurs. Vous avez des étudiants, ils vont à l'école. Quand ils cherchent des formations, les multinationales disent il n'y a pas de formation. Pourquoi? Parce que les multinationales veulent avoir tout l'argent pour eux. Et les populations doivent souffrir. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est normal? Non. Voilà. La vérité doit être dite. Tout est basé que dans le mensonge. Tout est basé que dans la tricherie. Tout est basé que dans la mafia. Les hommes politiques en France, on vous dit pays de droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, mensonge. Alors, ils ont le venin des gaullistes en eux. Amener les zizanis barbariens en Afrique, tuer le peuple africain, permettre à ce que la femme africaine soit une arme de guerre. Il tue immensément pour les pillages des minéraux. La femme africaine, on s'en fout. En RDC, vous avez un grand génocide. Silence total de cette communauté internationale du mensonge. Mon Afrique n'est pas pauvre, mais très riche. Il y a tous les minéraux. Le diamant, l'or, le gold, l'uranium, le coltan du sang, le gaz, le pétrole, l'or noir. Mais tous les minéraux qui sortent de sous-sol africain, qui en profitent? Les Occidentaux, 666, des grands tueurs. Ils se cachent derrière les multinationales. Qui se cache derrière les multinationales? Des gouvernements européens, des gouvernements américains. Ils se cachent derrière les multinationales. Total, Areva, Bouygues, Apple, toutes les grandes firmes des multinationales tuent GDF, EDF, soi-disant compagnie d'électricité. Est-ce que EDF
à l'uranium. Enfoiré, ils vont le prendre où? En Afrique. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des guerres. Arriva donne des armes. Total donne des armes aux dictateurs pour zigouer les populations. Après, ils se disent démocrates. Après, ils disent que ce sont des hommes qui connaissent la valeur humaine. Mais en réalité, ils ne connaissent pas la valeur humaine. Tous des enfoirés de merde. Tous des voleurs. Tous des mafieux. Ils sont dans des combines de tricherie, de vol. Voler tout ce qui n'est pas à eux, les biens du peuple, ils volent. Voilà pourquoi vous avez les dictateurs qui sont des marionnettes de la France-Afrique de merde. Ils volent immensément les biens en Afrique. Alors, quand ils volent, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent des appartements, ils payent des pavillons, ils payent des châteaux. Mais ils ont oublié une chose. Bokassa, celui qui était un grand dictateur, mais qui s'est fait passer après empereur, il appelait Valéry Giscard d'Estaing. Allô, papa, c'est comme ça qu'il appelait. Valéry Giscard d'Estaing, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Ne m'appelle pas papa. Mais il continuait toujours à dire quoi? Papa. Mais quand son papa venait jeudi, vendredi, passer le week-end en Centrafrique, qu'est-ce qu'il disait? Allô, oui. Bokassa, oui. Envoie-moi Catherine. Bokassa disait à Catherine, il y a mon frère, mon papa qui veut te voir, va là-bas et passe le week-end avec lui. Pendant ce temps, Valéry Giscard d'Estaing, il abusait de la femme de Bokassa. Regardez-moi ça. Non, la France-Afrique est un monde pourri. Alors, vous voyez? Mais, qu'est-ce qui se passe? La majorité des francs-maçons ont le venin du mensonge. Est-ce qu'un franc-maçon peut combattre un autre franc-maçon? Non. Pourquoi? Ils s'aiment se toucher les fesses, faire des choses sales entre eux. Voilà. La vérité doit être dite. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Entre eux, ils aiment se toucher les fesses parce que ils commettent ce qu'on appelle des saletés. Ce que Dieu n'a pas dit, eux le font. Pourquoi? La franc-maçonnerie n'est qu'une secte satanique guidée par Lucifer. Alors, les Illuminati, les francs-maçons, les francs-maçorcellerie, tous dans une même casserole. Alors, tous des enfoirés de merde. Tous des enfoirés de merde. Et merde, et merde. Ils se sont dit, nous allons laisser Laurent Gbagbo à la CPI, ainsi que Blake Bibi. Est-ce qu'ils vont continuer à être là-bas? Non, remix. Ils finiront par sortir un jour. Parce que Dieu ne dort pas. Dieu aime la justice. La vérité triomphera. On sera toutes les cellules mensongères. Laurent Gbagbo nous donnera tout ce qui est clé pour en découdre avec le système de la France qui est là en Afrique. L'armée française n'est pas là-bas pour le peuple africain. Pour les pillages des minerais, détruire immensément des vies. Vous avez, je vous donne l'exemple, après l'élection au Gabon, l'armée française était à 100-200 mètres. Quand Ali a envoyé ses chats, ses boys, commençaient à tirer sur les Gabonais, bam, comme des lapins, bam, comme des sangliers. Les militaires français, personne n'en bougeait, parce que le coup de fil venait de l'Élysée. Allô, oui, passez-moi le général. Passez-moi le colonel de l'armée au Gabon. Oui, c'est le président François Hollande, la pute, le corrompu de merde. Je vous dis, n'intervenez pas.
laissez les Gabonais que Ali puisse en découdre avec eux. Vous avez compris? Oui, monsieur le président. C'est comme ça que ça se passe. Remix. Pour faire la politique, il faut avoir l'art du mensonge. La politique, l'art de mentir. Les élections, l'art des conflits. La démocratie, l'art de la manipulation. La vérité doit être dite. Je continuerai toujours à dire la vérité. Moi le dis. Bye bye. Passez une excellente bonne journée. Vous étiez en direct avec le thier africain, Georges Passy, le grand résistant de force. À bientôt.